Allez, stop, on clôture le sondage pour le débat de Rogue One. On va aller dessus tout de suite. Voilà le sondage. Et on voit tout de suite date favorite, le jeudi 29 décembre 2016 à 21h. J'espère que tous ceux qui ont voté pour cette date, et peut-être même ceux qui n'ont pas voté, pourront se libérer pour cette date-là, pour ce moment-là. Il y a des choses à dire, je vous ai déjà préparé les petites questions là que, que je pourrais vous poser. Je pense qu'il n'y aura plus vraiment de vote, donc on peut y aller. Et moi ce que je remarque surtout, ce qui est énorme, c'est que vous êtes 29 Enfin, moins moi, 28, 28 participants quand même Et c'est un truc de fou Je crois qu'on n'en a jamais eu autant euh, quand j'ai fait des sondages. Purée, 29 participants Très 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 étonnant. Et puis vous avez tous joué le jeu, vous avez tous bien euh, Tous bien saisi ce que vous euh, sembliez être possible pour vous. Donc euh, c'est donc génial. Si on résume, ce qui devrait être là le jeudi 29. Il y aurait El Pimix, El Scottino, Aka le Magicien, Redman, Kishnifu. ah bah oui, forcément. ah oh, Mole, tu seras pas là! J'espère que tu pourras te libérer. Timothée, Sofiane, mon copilote. Steven, ah, c'est bien parce que toi, tu n'avais pas pu être là pour le débat Star Wars 7. Donc, cette fois, aucune excuse. Alexis, bah, dommage. Hein. Tu étais là pour Star Wars 7. Et là, bah, j'espère quand même que tu pourras te libérer. Jorlex. Ophélie, Ophélie, pareil, tu voulais te joindre à nous et là, bah malheureusement, tu n'y arriveras pas, c'est dommage. Après, on arrive vers des gens que je connais un peu moins. Euh, Pendant Arc-en-Ciel, bon, bah, là, tu pourras pas participer. J'espère que tu pourras quand même te libérer. Mais après, voilà, tous ceux qu'on aura, il y a Baptiste, Clem 865, Neos, Eclipseifier, Cobalt, Vorlex, Cyberbreak et de Grabel MLG 78. Si vous ne m'avez pas encore ajouté sur Skype, vous regardez la description, vous avez mon pseudo Skype, vous m'ajoutez, parce que sinon, vous ne pourrez pas participer. Donc euh, avant le jeudi 29-21h, euh, pas à la dernière minute, s'il vous plaît, euh, faites en sorte de pouvoir m'ajouter, et comme ça, on sera tous bien. Euh, comment je vais organiser ça euh, Alors ça tombe bien qu'on sera en tout moins de 24, parce que sur Skype, tu ne peux pas appeler à plus de 24 personnes dans un groupe. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer un groupe. Spécial pour Rogue One. Et bah, le soir même, je vous inviterai tous sur ce groupe-là. Et puis bah, après, je lancerai l'appel. Et c'est parti. Allez, il est temps de choisir la date. Sélectionnez le ou les choix finaux. Il mouline, il mouline. Voilà. Et bien bah, il me sélectionne automatiquement le jeudi 29 à 21h. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à enregistrer. Et le sondage sera clos. Et vous aurez plus qu'à être là. Alors. Comment on fait pour enregistrer C'est au-dessus, non Ah, ça doit être là, à droite, et. Oui. Enregistrer. Allez, c'est parti. J'enregistre. Va pour le jeudi 29 décembre à 21h. Go Et voilà, ça y est. La date a été choisie. Bon bah c'est nickel. Franchement, 16. 16 votes. On sera beaucoup. Je crois qu'il va falloir que j'instaure des règles. <laughs> pour que ça se passe bien. Bon de manière générale, essayez au plus possible de laisser parler les autres. Euh, si vous voyez qu'il y en a un qui parle peu et qui essaie de prendre la parole, et eh ben il faudrait le, le laisser prendre la parole. Enfin, je sais que ça va être compliqué, mais j'ai confiance en vous. Ça s'est super bien passé la première fois. Là ouais, on sera un peu plus nombreux, mais j'ai confiance. Allez, et pour terminer, je voulais quand même qu'on voit aussi euh, un petit peu la tendance sur les autres sondages que j'avais lancés. Alors à propos du sondage, euh, à quelle fréquence aimez-vous que je sorte mes vidéos Donc j'ai eu 22 votes, et il y en a deux qui se détachent énormément. C'est tous les deux jours et deux fois par semaine. Alors bon, déjà, je vois que apparemment, vous aimez bien quand c'est sur une assez bonne fréquence, hein, parce que deux fois par semaine, ou même tous les deux jours, c'est même celui qui a remporté euh, euh, le sondage. Waouh, wow, ça, fait, ça fait beaucoup <laughs> Mais écoutez... J ai, j ai, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que ça va être marqué tous les deux jours que je vais en faire tous les deux jours. Non, au contraire, en fait, le résultat des votes, là, il me va très bien parce que c'est ce que je fais. C'est-à-dire que ça m'arrive d'en sortir tous les deux jours, mais en général, j'en sors deux par semaine voilà, à peu près. Ça peut m'arriver de mettre plus de temps. Hein, euh, si jamais vous me voyez pas en mettre pendant une semaine, je suis pas mort. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, ça va arriver là parce qu'on arrive à la fin de l'année, donc euh, je vais être un peu pris. Mais euh, non, mais je vois, je vois que ça correspond à ce que je fais depuis le début, donc c'est nickel. Après, il y en a quand même deux qui ont dit une fois par semaine, et un qui a dit tous les jours. Il aimerait des vidéos tous les jours. <laughs> je veux bien, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, bon, pour ce sondage-là, donc c'est cool. Et pour l'autre, préférez-vous les vidéos préparées et haute qualité, freestyle plus haute qualité, freestyle plus basse qualité, ou préparées plus basse qualité. Donc on voit nettement que préparées et haute qualité. C'est devant, en même temps, ça m'étonne pas. Je veux dire, si un gars, tu lui proposes un pain au chocolat ou une chocolatine, pour ceux qui ne diraient pas pain au chocolat, et un pain au chocolat, mais su super beau, tu vois, super clean, avec plein de bons chocolats brillants et tout, et un pain au chocolat euh, un peu biscornu, bah forcément, il va choisir le beau pain au chocolat. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Quoi. Le truc entre préparé et haute qualité et freestyle et haute qualité, bah voilà, forcément, vous préférez des vidéos préparées. Néanmoins, euh, alors j'aime bien les vidéos préparées, hein, c'est les vidéos psycho les vidéos décryptages, ça, ça permet vraiment euh, de cibler un sujet et euh, comment dire, d'être certain que au moins je vais faire le tour et que je vais vraiment euh, comment dire, bah, trouver ce que j'ai à dire. Hein, parce que je l'aurais préparé avant. Mais par contre, les freestyles, et je suis content que ça arrive en deuxième. J'aime beaucoup aussi parce que c'est quelque chose, par exemple je vais ressortir d'un film ou euh, il va se passer quelque chose dans ma vie et je vais en, vouloir en parler sans rien préparer, je vais lancer la caméra et je vais parler. Et euh, bah, ça j'aime tout autant parce que du coup c'est 30 fois plus naturel. Et parfois même je dis plus de choses vu que j'ai même pas réfléchi avant, ça vient tout seul des fois. Mais voilà, le, le format fait que je peux louper des choses, c'est normal. Bon, mais en tout cas, ouais, je, je suis bien content. Après, il ouais, y en a 4 qui aiment free, freestyle plus basse qualité. Je pense que là, ça vient surtout des, euh, euh, des vidéos calendrier de l'avant. C'est peut-être pour ça. Et après, il y en a un qui aime préparer plus basse qualité. Bon, euh, ça veut dire qu'en gros, il dit, ok, tu, tu peux préparer tes vidéos, mais tu n'es pas obligé de, de filmer forcément avec une bonne cam ou un bon son ou quoi que ce soit. Bon, mais je suis content. Je suis content de ces sondages. C'est très bien, ça correspond à ce que je pensais. Mais voilà, je trouve ça bien de prendre la température un peu, de savoir ce que vous en pensez et moi eh ben je suis content. Ça reflète ce que je vous fais et euh... non c'est très bien. Nous sommes en adéquation. C'est cool. Bon, eh ben la fin d'année approche. Vous allez me retrouver le 24 décembre à minuit, je serai là. Je sais vous serez en famille. Je sais vous n'aurez pas que ça à foutre, mais dites-vous eh ben que le kishni le 24 à minuit eh ben, il sera là sur YouTube. Voilà, alors pas en live, hein, mais il euh, y aura une vidéo qui va sortir, ok Je serai là, voilà. Mais profitez, profitez si vous êtes avec des amis ou de la famille ou quoi que ce soit, profitez avant tout, hein, venez pas me voir exprès, voilà. Allez, eh bien, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, ciao à tous, au débat le jeudi 29 à 21h, et que la force soit avec vous